Ah putain, et moi qui ai dit qu'il y avait jamais la nuit, bah tiens, regarde. Je me demande si j'aurais pu le savoir avant de tag. Mais là, les JVN, pour le coup, ça m'aurait été utile. Tant pis, trop tard. Tant pis. On a trop de blessés, ça va être une boucherie. Moi, j'ai peur que justement... effectivement, vous avez 1 milliard de blessés. Et que du coup, ceux qui vont jouer vont avoir les dents si longues qu'ils vont faire le match de leur vie. Nous en plus on a énormément de points d'avance donc tu sais des fois t'as l'impression que... Pas qu'on prenne les matchs à la légère mais qu'on se dise bon au pire on a 12 points d'avance. Station. Rien. Squad, non, j'y joue pas trop hein, d'une manière générale parce que le jeu est excellent. Mais est ultra dépendant d'avoir un bon raid leader et surtout c'est instreamable. Les mecs ils te retrouvent instant, ils te stream à Katouva, ils te niquent les phobes et tout, c'est pas mieux un peu cancer. Donc, ça fait comme sur Rust. C'est mieux quand tu joues dans ton coin. Je suis votre éternel abonné. Bonjour à tous les BG. Donc c'est vraiment trop simple de streamer quoi. J'ai la clé. Oh j'ai... Ah putain. Oh là là, quelqu'un se souvient. 16, 32... 72. 16, 32, 72, 71. Putain, ça c'est... Ouais, on va essayer. S39, oh putain, vous êtes pas d'accord. Fuck! S39, 72. Pitié. Oh nice. 5 500 $. Ça arrive là. C'est sûrement que ça tirait ? Non. Oh putain, le recoil, mon dieu. Après, il m'en a pas mis une. Et il a pas looté. Il avait rien en vrai. Bon, j'ai l'impression qu'elles font le taf, les balles que j'ai. Je l'ai quand même tué relativement vite, j'ai trouvé, comparé à d'autres. Ça va toi Maze, les 3 ans.
Pennywise, Prime, Shadow que j'ai loupé, Monsieur Groots, Buster. Oh là là, je crois que j'ai des oublis sur l'Erissa, mille excuses les mecs. Merci. Pour ceux qui veulent accéder au jeu, faut faire la demande sur Steam les mecs et après c'est... Putain, je l'ai défoncé à une vitesse. En fait, j'ai l'impression d'avoir bien visé la tronche. Ah et t'as vu, il vient de lâcher. Il vient de give up. Parce que quand tu KO un mec comme ça, faut quand même lui mettre un dernier coup. Là. Ah, il vient d'arriver, il a pas loot. Putain, et toutes ses balles, il les avait mis dans son push, cet enfoiré. Bon, il était à la FMJ, tu viens. Allez. Je crois que je suis niveau 10 ou 11. Donc en gros, là, je fais la dernière quête qui a de dispo pendant l'alpha. Sinon, je me balade, je visite un peu, je vois ce qu'il y a... Ce qu'il y a à découvrir. Quand j'ai full ce mec là à l'instant, j'étais accroupi ou j'étais debout? 7-7 comme le patron. Longue vie au roi de la D7 Corporation. Tu vois là, regarde. J'ai l'impression que mon personnage souffre. Il a du mal à respirer, il se passe quelque chose. Pourtant je suis full vie. En boisson et en bouffe, je suis bien. Pourquoi il suffoque? Il a des remords d'avoir tué quelqu'un? Ça va bien se passer, hein. C'est pas grave, hein. Trop courte. Mais je vois rien, gros. Il campe à l'inté, je vois que dalle. Je l'ai tué, je suis un monstre. Et en plus il avait des bonnes balles, heureusement que j'ai pas rushé comme un sac. Est-ce qu'on préfère ce modding là ou l'autre? Oh. Je trouve une grippe d'AK. Ah, j'ai tué un mec de la commu? Merde. Je pense qu'il y a un mec. Et je pense qu'il y a un mec qui lurque dehors. Et je suis en train de me demander. C'est dommage, je peux pas savoir. J'aurais aimé savoir si éventuellement je le tue avec mon full ou avec la grenade. C'est chiant qu'on spawn en continu dans les maps. Si je passe, promis, je fais pas exprès. À éviter d'être sur le stream en même temps parce que sinon on va avoir du mal à vous croire quoi. Un petit
tire dessus mais on me rate. J'arrive pas à comprendre d'où ça vient. Deux, c'est eux que je suis censé tuer. Hein. Malheureusement, à chaque fois j'arrive et je suis un peu loin et c'est déjà clear. Ça va m'améliorer. Enhance grip and versatility to standard air rifle. Donc ça va améliorer le grip et la versatility. Comment on traduit versatility? Ergonomie? Du coup là c'est le moment où j'aurais dû sentir une différence quand j'ai clic droit. Attends. Franchement je sais pas. Au niveau de la rapidité de mise à l'œil, je sais pas. Mal à le percevoir. C'est moi Star, j'aime pas les commandes où y'a rien. Ça fait vide. Ça fait à la Z. Pour être sûr d'y jouer tout de suite, il faut prendre celle à 69 balles les gars. Après, est-ce que la prendre maintenant, du coup, c'est pas un peu late? Il y a un autre playtest en alpha dans 2 semaines, dame. Ça roule. Putain, j'ai pas de chance, ouais. Les bandits, ça met quand même du temps à repop. Et malheureusement, ouais, je suis arrivé dans une game où c'était déjà en cours, quoi. Alors j'attends là, je vois ce qui se passe. Je suis en surpoids. Plus de surpoids. Pour l'instant, ça vaut pas 70 balles, ça me paraît un peu trop tôt. Moi, je suis d'accord avec ça. J'ai mis les 70 parce que je suis énervé, mais pour l'instant, de ce qu'on a dans les mains, c'est... Il y a du potentiel, mais pas 70 euros tout de suite, non, clairement. Je
J'ai l'impression que les caisses sont tout le temps au même endroit. Donc quand tu commences à bien connaître le jeu, putain, c'est du speedrun derrière. Tu rushes ce qui t'intéresse, quoi. Putain, les modés. C'est pas celle que moi j'ai mis dans le truc tout à l'heure? Piquer les modes. Mais je peux pas vider le chargeur. J'imagine que j'ai mis 30 bonnes balles là-dedans, mais je vois pas comment je peux faire. Et c'est simple, de toute façon, sur la vidéo Projet Lead que j'ai mis sur YouTube, en commentaire épinglé, je vous ai mis la vidéo de l'alpha footage de Tarkov. Pour vous voyez un petit peu où on en était Tarkov au début. Là, franchement, Tarkov au début, c'était vraiment pas ce que c'est aujourd'hui. Les sons étaient un peu à chier, les mécaniques de mouvement étaient lourdes as fuck, ça paraissait vide. Tarkov, ils ont beaucoup bossé quand même. Dis à ton équipe de ne pas nous faire les fesses ce soir pour le classico. Déjà, je te rappelle que nous, notre coach, c'est Luis Enrique. Cet homme est capable de tout. Pourquoi j'ai l'impression de marcher dans de l'eau, là? Oh là, je vais sortir, ça me gonfle. J'attends de voir la compo qu'il va nous mettre réellement. Il est capable de faire n'importe quoi. Déjà, il a pas pris Mendes, ça n'a pas de sens. Je me méfie maintenant avec Luis. Touche, mais ils me font pas de dégâts, hein. J'ai vraiment trop hein. en protection, j'ai un sacré stuff quoi. Parce que ces mecs là, quand ils me tirent dessus quand je suis en scav, ils me mettent mid life en une balle. Et là, tu vois, ils m'ont retiré 10 HP à te casser. Là, on a tué 3 vrais joueurs et 12 scavs. Pas dégueu celle-là.